Bonjour à tous, c'est Robert87000 pour une nouvelle vidéo de Pack Opening. On s'est retrouvé hier soir pour un Pack Opening live spécial Toti. On se retrouve ce soir pour un nouveau Pack Opening spécial Toti. Et je me suis dit, mais pourquoi pas en faire un cet après-midi, n'ayant pas eu de joueurs bleus pour le moment. On va essayer de se faire 300 000 crédits et essayer de chatter. On ne sait jamais, un peu de chat, ça ferait toujours du bien. Bon, ça rame un peu. Alors le problème c'est que je suis en train d'uploader une des vidéos et donc évidemment ça me bouffe un peu tout. Bon, Mourinho à lui tout seul me rembourse le pack, c'est bien. Ce qui coûte encore super cher. Bon, j'espère que je vais choper du lourd, hein. On va faire une petite vidéo d'un quart d'heure, 20 minutes je pense pour faire le 300 000. C'est plutôt sympa. Oh là 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 là, c'est quoi cette merde? Ivan Chich. Je ne connais même pas. Pas vous dire bon, mauvais. Pff. Inconnu au bataillon. C'est quand même pas très bon signe quand même d'être inconnu au bataillon. C'est que on n'est quand même pas une grande star. Bender. Bon, pas grand-chose. Que des joueurs qu'on a déjà. Qui valent pas grand-chose. Allez hop, ça dégage direct. Hier, ça m'a vraiment fait plaisir sur live qu'on soit aussi nombreux. Parce qu'on a quand même fait un pic à 130. Pour du pack opening, c'est plutôt pas mal. Et pas sur Twitch. Hein, parce que bon, je pense que sur une autre plateforme que YouTube, on aurait peut-être plus de gens. Mais je trouve ça plutôt sympa sur YouTube d'avoir autant de gens. Et ça me fait vraiment plaisir. Franchement. Bon, déjà, je pensais pas qu'on arriverait aussi rapidement à la barre quasiment des 1500. Parce que là, on est déjà à 1420. J'ai l'impression que ça fait quelques jours que j'ai passé la barre des 1000, donc j'ai l'impression que ça va très vite. À ce rythme-là, je pourrais presque passer les 2000 avant fin janvier, et ça, c'est quand même juste monstrueux. Parce que j'ai dû passer vers fin décembre la barre des 1000. Il m'a fallu 3 mois à peu près pour passer la barre des 1000. Tout simplement parce qu'au début, bah, je faisais ça un peu en dilettante. J'ai commencé vraiment, on va dire, à être octobre et encore en octobre, et en octobre je n'avais que, je crois que le 22 octobre je n'avais que 70 abonnés, hein, donc vraiment ça a pris d'un seul coup. Chiellini, c'est bon ça, j'aime Chiellini, je ne l'avais pas dans ma team, mais bon, quitte à prendre un gros joueur en défense, je préférais un bleu entre hier Hummels, Gaudin deux fois boost. Bon, là il faut du bleu, hein. Il faut du bleu. Oh non. J'ai bien en choper un sur toute l'intégralité. J'ai l'impression de faire comme je faisais les semaines de poker, où il y a les plus gros tournois. Et on se dit tous les jours, bon c'est pas celui-là, mais il reste encore tout ça. Bon, il reste encore tout ça. Le mieux c'est de choper directement. Ouais, Mathieu, c'est ça, ils vont me sortir tous les défenseurs qui existent, sauf ceux que je veux. Bon après, David Luiz, je crois que je l'ai jamais eu dans un pack. Thiago Silva, si. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est bizarre que je l'ai même eu jamais dans un pack David Luiz quand même. Handanovic. Ouh. Les deux gros gardiens quand même. Hein. C'est pareil, il tourne autour du pot, c'est pour m'attiser. Pour se dire, eh non, on va pas te donner Neuer bleu. C'est un Neuer bleu, mais comment on lui marque des buts? Il y a quasiment 99 de stats partout. C'est un monstre. C'est bon, il n'y a même plus besoin de savoir jouer. Hein. Vous prenez Neuer bleu. Pas besoin. Pareil pour les défenseurs. Hein. Putain, entre David Luiz Ramos et Thiago Silva, ils courent plus vite que les attaquants. Alors, ça dépend des attaquants adverses, mais ils courent quasiment aussi vite que les défenseurs, que les attaquants adverses pour la plupart des joueurs. C'est juste monstrueux, c'est-à-dire que vous ne les passez jamais en vitesse. Never. Parce qu'ils ont forcément, le défenseur a toujours un peu d'avance sur vous. C'est rare que le défenseur soit la même, l'attaquant et le défenseur soient sur la même ligne. Et vu que le défenseur a un peu, avec un peu de physique et la vitesse qui va avec, ça va être très très dur de passer. Hein, ceux qui vont les avoir. Bon, l'avantage c'est que pour le moment, j'ai dû faire je sais pas combien de matchs. Je suis jamais encore tombé sur un joueur qui avait Messi boost. Alors Messi oui, mais Messi boost ou Messi bleu, la version un peu Coupe d'Europe, je l'ai jamais vu encore. Je l'ai encore jamais vu. Donc, je me dis que. Ah, Rémi, pas mal ça comme joueur aussi. Je me dis qu'on va pas en affronter énormément qui ont ce type d'équipe-là. Oula, faut que je me méfie pour ce soir. Parce que sinon, je vais plus avoir de place dans le pack.
Gérard, chez Javia. Je l'avais jamais eu, Gérard, là, chez deux fois en deux jours. C'est pas mal, ça. J'aime bien. Suis pas sûr que ça vaille grand-chose. On va l'envoyer quand même vers la liste, mais bon, je pense que ça va être en quasiment de la vente rapide. Hein. Parce que je suis même pas sûr qu'il dépasse les 1500. Surtout en ces périodes-là où les prix sont bas. Bon, voilà, vraiment le pack de merde par excellence. Bon, il nous reste encore 200 000 crédits. Allez! 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 Dost. Les disparus. C'était une petite blagoudette. Et t'es nul! Mais j'aime. L'absurde. C'est rigolo comme humour, non? Allez! Non, depuis hier, je vais avoir eu tous les joueurs du PSG, sauf les deux qui m'intéressent. Je dis, what the fuck? Et en plus, il me sourit, il passerait pour bien me narguer. T'as vu, je t'ai bien mis dans le cul, là. Connard. Marquinhos aussi, pareil. Marquinhos, déjà deux ou trois fois que je l'ai depuis hier. C'est pas ça que je veux. C'est pas ça que je veux. Oh, un petit Ronaldo, quand même, merde. Ça serait quand même la moindre des choses, j'ai envie de dire. Un Ronaldo ou un Messi, vu tous les packs ouverts pour service rendu à la nation, je pense que je mériterais un Ronaldo. Oh non, mais non. Mais non, putain. Keita Montero, quoi. Le duo. Oh là là, et lui, je prononce même pas son nom parce que c'est imprononçable. Ça me dégoûte de voir tous ceux qui ont eu les bleus et tout. Bon, après, en défenseur, pourtant. Là, c'est maintenant parce que je ne choperai jamais un gros attaquant ou un truc comme ça. Parce que dans mes boosts, les gros boosts que j'ai eu, c'est Hummel et Gaudin. Hein, donc, défenseur et défenseur. Donc, je pense que, à part ces deux-là, j'ai peu de chances d'avoir autre chose. Donc fais-moi plaisir, c'est maintenant. Après, si Messi, Ronaldo, ils en mettent autant dans les packs qu'ils en mettent d'habitude, bah il va pas y en avoir beaucoup. Hein. Il n'y a pas y en avoir beaucoup. Hein. Et ce matin, j'ai eu Iniesta. Iniesta dans un pack. Iniesta qui me sert à rien. C'est après-demain qu'il me le faudrait Iniesta dans un pack. Pas maintenant. J'ai enlevé mon quota à chance pour Iniesta. On va dire que c'est la loi des séries et donc la prochaine fois, la loi des grands nombres, la probabilité qu'un événement se produise rarement va se reproduire plus fréquemment s'il vient juste de se dérouler. Smalling, Smalling. Allez, tu dégages. Tu prends ton manteau, tu t'en vas. Allez, hop, hop. Allez, on est à la moitié déjà de ce pack opening. Pour le moment, on a chopé Chiellini en meilleur joueur. C'est pas GG, GG. Oh là 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 là. C'est pas le bon Oscar. Hein. Au pire, l'autre, il coûte au moins l'avantage, c'est qu'il coûte un peu de crédit. Pas grand-chose, mais il en coûte un minimum, ce qui est déjà pas mal. Putain, vous voulez pas me donner une carte bleue? Vous voulez pas que je m'enthousiasme, hein. Je sens que vous voulez me brider. Vous voulez me brider. Putain. Putain. Allez, fais-moi rêver un peu là. Non, mais c'est pas en me sortant ça que tu vas me faire rêver. De Dieu. De Dieu, de Dieu, de Dieu. Oula, Larsen. Faut arrêter le métier au bout d'un moment. Jeu à la main. T'as mis une tête de gros dégueulasse, jeu à la main là. Allez. 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 Oh non, mais non. Mais non. Mais non. C'est interdit de faire ça là. C'est interdit de la faire ça, ça. Que des joueurs de daube. Ça, c'est du bon pack opening pourri. Ouais, vas-y, donne-moi le deuxième gardien. Le troisième gardien, parce que bon, c'est Pepe Reina. Le deuxième, putain. Le prochain pack, c'est Pepe Reina qui sort. Juste pour me foutre la haine.
Ou Marquinhos, parce que Marquinhos il aime bien sortir depuis hier. Juste pour me faire des fuck. C'est à chier pour le moment. C'est à chier de ville par terre. Hein. Vous le sentez dans ma voix que je suis déprimé là. Putain, je vais pas en avoir chopé un intéressant. Mais déjà, rien que dans ce petit 300 000 crédits là, j'aurais chopé que de la grosse daube. Bon, il faut bien que je pense à vider ma liste parce que sinon, pour ce soir, je vais vite être saturé. Allez! 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 Oh non, mais non, mais non. Mais non. Quand on ouvre un pack, c'est pas ça qu'on veut là. On veut du Messi, du Ronaldo et du joueur boost surtout. Bon là, c'est du ultra boost le bleu, mais. C'est même plus boost, hein, c'est juste monstrueux. Je m'en fous, n'importe lequel des 5. Je sais que juste pour me faire chier, tu vas me donner David Luiz, celui qui coûte le moins de crédit, mais je prends quand même. C'est quasiment c'est 1 million. Je prends. Je prends. Oh là là. Double, 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 double. Pareil, hein, ceux qui ont mis David Luiz dans l'équipe de l'année, je dis bravo. Parce que franchement. Je sais pas comment vous avez fait pour trouver, hein, parce que pour pas mettre Hummels et mettre David Luiz à la place, faut vraiment avoir une grosse perte coronesse quand même. Hein. Moi, j'y aurais pas joué. Hein. J'aurais pu presque miser tout mon salaire sur Hummels. Si on m'avait dit entre Hummels et David Luiz, déjà j'aurais rigolé. Toi, tu connais vraiment rien au football. Hein. Eh ben non, eh ben non, eh ben non, c'est les cloches. Putain, mais regarde-moi cette merde là. Capoue, Pekarić, Rudvens. C'est quoi ces joueurs moisis? Bon, Capoue, je le mets pas dans le. Capoue, 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 moi je dis Capoue. Allez, 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 putain. Ibisevic, non, mais non, mais non. Voilà, c'est de la détresse. C'est de la détresse parce que là, franchement, c'est 300 000. Alors, je m'en fous, je suis pas à quelques crédits près, hein. Mais franchement, c'est pour ça que je vous dis, n'ouvrez pas des packs. Regardez les autres en ouvrir. Évidemment, c'est toujours frustrant si je chope quelque chose de se dire, ah putain, c'est peut-être moi qui aurais pu avoir. Mais dans la grande majorité, vous allez être perdant, vous allez perdre des crédits. Donc, franchement, vous faites pas chier avec ça. Electronic Arts n'attend que ça, c'est que vous achetiez des packs. Moi, je m'en fous, hein. Même si je conseille des sites pour acheter des crédits, etc. Moi, mon but, c'est que vous gagniez un maximum de crédits et que vous éclatiez à ce jeu-là. Donc après, que vous ayez envie de consommer des crédits, tout, il n'y a pas de problème. Mais n'ouvrez pas des packs. On va choisir, je préfère que vous investissiez, en tout cas moi je trouve ça plus intéressant d'investir, d'acheter, je sais pas combien, pour 100 euros de trucs. Ouh, Isco, c'était pas mal ça, c'était pas mal, c'est pas mal. On se rapproche, on se rapproche. Franchement, ouais, je vous conseille franchement d'acheter plutôt des crédits que d'acheter des points FIFA parce que, au final, pour 100 euros, je crois que vous avez 12 000 points. Et alors, la probabilité que vous ayez de Messi ou un très gros joueur est vraiment infime. Alors que si vous achetez des crédits, putain, mais pour le nombre de points, bon, déjà par rapport au nombre de packs que vous allez pouvoir ouvrir, là je pense que je crois que c'est 12 000 points, donc 12 000 points. Putain, vous me faites faire des calculs, mais ça fait 67, 750 000, 750 000. Ouais, on peut en ouvrir 150 à peu près. Avec des crédits pour 120 euros. Alors sur PC, hein, je parle. Sur PC, vous pouvez choper, ouais, je pense 10 millions. Donc 10 millions, ben, vous en ouvrez juste beaucoup plus. Pouvez en ouvrir 1500, quoi, quasiment. 1333. Donc le calcul est vite fait, hein, entre FIFA Points et achat de crédit. Au pire, si c'est la première fois que vous achetez, vous risquez pas d'être ban. Dans le pire des cas, vous recevrez un mail vous disant ou c'est un peu comme un doping. Attention la prochaine fois. Bon, la fois d'après, faites attention quand même, parce que la deuxième fois, ils vous bannissent pas, mais ils resettent votre club.
Et ça fait. Ouh, Kondreva aussi. Je fais les petits 83 sympas là. J'aurais préféré Quadrado, mais bon, Isco, Kondreva, c'est des 83 qui tiennent la route. Hein. Voilà, c'est mieux que tous les Landes, Zeko, Vidic, quoi. Donc, ouais, la première fois, vous pouvez acheter, vous risquez pas grand chose si vous recevez un mail. Ne retentez pas d'acheter des crédits si vous avez reçu le mail, parce que la fois d'après, si vous vous refaites toper, là, il vous reset votre compte, et là, ça peut piquer les fesses. Donc, non. N'achetez pas des crédits comme ça si vous avez déjà reçu un mail. Restez sage. Ou au pire, bah, si vous êtes sur console, vous gros créez un nouveau club et vous transférez tous vos crédits sur l'un et vous faites pareil. Au pire, vous en foutez. Qu'est-ce qu'il vaut lui? Résumé. Ah si, on va l'envoyer vers la liste. Putain, on aura chopé du caca quand même, hein. 300 000 crédits pour choper Chiellini, Ischio, Candreva, qui doivent coûter à eux 3 10 000 crédits. Ça fait bobo cucu. Ça fait bobo cucu. Bon, après, il suffit de un gros joueur pour rentabiliser.